Ben sur l'année 2021, c'était pas trop mal parti, on va dire, au mois de mars où on avait beaucoup de soleil. Et puis après, on a eu un épisode de gel au mois d'avril qui a fait pas mal de mal aux vignes. Donc là, on a pensé à peu près à 25-30% de pertes sur la récolte. Donc c'était déjà très compliqué pour l'année, ça nous donnait déjà une mauvaise ambition. Et après, au mois de mai, on a eu du beau temps, donc ça nous a redonné pas mal espoir. Et après, juin, juillet, ça a recommencé à avoir un temps assez pluvieux, assez humide, donc propice aux maladies, propice aux adventices, aux herbes qui poussent. Et plus dur pour la maturité du raisin, pour qu'il mûrisse à terme. Donc au final, sur la récolte 2021, on finit avec environ 30% de pertes, beaucoup de tri, des vendanges qui ont duré 15 jours au lieu d'à peu près une semaine. Et par contre, une fois le raisin récolté, bien trié, ça s'annonce plutôt pas mal pour l'année 2021. Sur les côtes rôties, on finit entre 25 et 30 hectos par hectare. Et après, sur les vins de pays, on descend plus à 20 hectos, 20-25 hectos hectare. On a beaucoup souffert sur les plateaux, donc les vins de pays. Mais bon, après, comparé à d'autres régions viticoles, on va dire qu'on s'en sort quand même pas trop mal. On a déjà des lieux-dits différents sur l'appellation côte rôtie. Donc, sur notre domaine, on a la Brocarde, la Vgalière et Côte Rosier, plus une cuvée Les Élotins qui est un assemblage de plusieurs parcelles. Et donc, Rosier, Brocarde et Vgalière, c'est vraiment trois parties de côte rôtie différentes, avec des terroirs différents, des sols différents et des expositions différentes. Donc, après, on est sur des méthodes de vinification différentes. La Vialière est un peu plus fin, féminin, très sur la violette, sur le fruit. La Brocarde va être sur des vins assez boisés, assez durs, mais qui vont pouvoir se garder très longtemps. Et Rosier, on est sur un mélange un peu des deux, assez fruité, sur du fruit noir, mais aussi avec un bois avec des tanins du bois qui donnent de la souplesse au vin. Sur la Vialière, on est sur un tiers de fût neuf et deux tiers de fût d'un vin. C'est un vin qui va être très classe, qui va ressembler aux côtes rôties, enfin aux côtes rôties qu'on connaissait il y a 10-15 ans pour durer, mais qui va trouver ce côté fruits mûrs, la violette qui est très élégant.